Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite présentation du matos de chez Explore Design Gear. Donc c'est des pochettes. Voilà, c'est un peu par hasard que j'ai connu son site internet, que je vous mets dans la description de la vidéo. Vous pourrez avoir le lien. En gros, c'est un artisan français qui fait tout lui-même à la main. J'ai pu échanger avec lui au téléphone, il est super sympa et accessible. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un peu un petit zoom sur le produit et que vous voyez la qualité que ça a. Parce que malheureusement, bah, il n'a pas forcément le temps de faire ce genre de contenu, puisqu'il est tout le temps en train de bosser. Du coup, bah, je le fais à sa place, parce que je trouve que ça vaut le coup. C'est du très très bon matos. Voilà, moi j'ai pris plusieurs couleurs, comme ça je sépare un peu mes items et je sais dans quelle pochette je mets quel matos. Par exemple, cette couleur, c'est la pochette où je mets un peu tout ce que je prends pour les transports en commun. Donc voilà, ça peut être chewing-gum, parfum, gel hydroalcoolique, mouchoir, coupon, un petit smecta buvable, pas besoin d'eau. Et après, voilà, c'est en fonction de chacun, on ajoute, on met des trucs. Hop, est-ce que je vais y arriver à une main? Oui. Et ouais, honnêtement, ce qui est cool avec ces pochettes, c'est que tout est de bonne qualité. Hein. Les zips, c'est du YKK, même au niveau de la paracorde, c'est tressé. Voilà, c'est dans le détail, mais c'est toujours sympa. Donc là, on n'est pas sur du Cordura sur cette pochette. Vous verrez sur le site, ça porte un autre nom. Mais voilà, c'est super fin, c'est un peu comme le matos des pochettes médicales. Tout ce qui est le matos médical, puis c'est bien flashy, donc on le voit vite dans un sac. Sur le site, on peut rajouter du velcro ou alors des passes en molle pour tout ce qui est un peu équipement militaire en molle. Molle ou molly, hein, ça dépend des gens, comment ils appellent. Le nom de la tâche. Moi j'ai l'habitude de dire molle. Donc là, l'avantage du velcro, en gros, c'est que si vous avez votre sac avec du velcro à l'intérieur de votre sac, bah, vous avez juste à scratcher votre pochette, et en fonction des sorties ou des besoins, bah, vous enlevez ou vous mettez tel matos. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un code couleur aussi, d'avoir pas forcément 4 pochettes de la même couleur. Ça permet d'identifier, bah voilà, sous fatigue, le cerveau, bah, il va plus vite réagir en fonction des couleurs que au toucher, par exemple. Pareil, velcro au dos, les coutures, franchement rien à redire, hein. C'est un artisan, il fait tout à la main. On a de chaque côté des petites boucles pour pouvoir rajouter soit des mousquetons, de la paracorde, et puis même ça fait une bonne prise en main quand on a besoin d'ouvrir, c'est plus rapide. Donc ces deux modèles, et celui-là aussi, c'est du Alpha Mini. Alpha Mini, donc l'ouverture est bien au centre. Il existe aussi un modèle avec l'ouverture plus au-dessus. Et celle-là, c'est la pochette Charlie S, qui est beaucoup plus grande. Vous voyez, par rapport à une taille de main. Couleur multicam black. Vous verrez, hein, sur le site, il y a énormément de choix, hein, sur tous les modèles. Ça, c'est top aussi, c'est que vous pouvez vraiment avoir beaucoup de choix au niveau des pochettes. Donc la Charlie S, pareil, grand velcro au dos. Des bons zips avec des petites boucles. En Cordura, le tissu, c'est du Cordura 500 deniers, hein, donc c'est top résistant à abrasion, déchirure. Enfin voilà, faut vraiment y aller pour l'abîmer, quoi. Les coutures, franchement, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. À l'intérieur, petit logo France, Explore Design Gear, et ici, pareil, hop. On a aussi de quoi mettre un petit mousqueton. Ou une paracorde pour, je sais pas, par exemple accrocher une petite lampe ou n'importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vais faire un petit tour en vidéo
comme ça vous pouvez voir d'un peu plus près. Puis les zips, franchement tout est nickel, hein. Ça respire la qualité, honnêtement. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, hein. J'ai payé de ma poche les pochettes, mais ça vaut le coup. Franchement, c'est du français, donc ça fait aussi tourner la machine, hein, au lieu d'acheter du matos tout le temps à Taïwan ou en Chine. Là, le mec il fait tout à la main et c'est juste impeccable. Voilà. Hop. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je répondrai. Et je vous mets le lien du site. Au revoir.